Ensuite, nous avons le discours de la chargée culturelle, la chargée de communication, Madame Nadège, qui va parler de. Elle va parler de la positivité, la persévérance et l'environnement, qui est le secret de la réussite des étudiants africains en Russie. Yes, so later we're going to have a speech from Nadej, who is the communication department of ASECA, and she's going to talk about positive perseverance and in the environment, the secret of success for African students in Russia. Ensuite, on va parler avec notre chargé de la santé, qui est Cathy Morel, qui va nous parler d'une pandémie qui est un multiple tentacule que nous n'arrivons pas vraiment à nous débarrasser. Et cette pandémie-là, c'est le sucre. Elle va venir ici et puis elle va nous parler de cette pandémie. So immediately after Nadej, we're going to have a speech from Mrs. Cathy Morel, who is in charge of ASECAM, her department. She's going to share with us about pandemic, not for the real one that we know. She's going to talk about a multi-tentacle pandemic, sugar. So she's here among us, and when the time comes, she'll be here. Merci. Thank you very Merci much. Merci, Monsieur Gilles. Vous savez, vous très belle voix. Of course. If you don't mind, I can also say it in Russian. You can say it in Russian. I can say it in Russian. You know Russian is very beautiful. Exactly. Okay. Russian is a special language. You know, we are here in Russia, so we have to also speak in Russian. Okay, you can say it in Russian. Yeah. You should write so we speak Russian люди. Добрый пожаловать. В нашей программе у нас будет слово. В открытии у нас экс-президент ASECAM. Она нам даст слово. И тема ее презентация – это насчет любви и единства. Знаете, когда есть иностранцы в чужую страну, чтобы успешно прожить в эту страну, очень важно жить в единстве с другими, которые из вашей страны. Поэтому она будет с нами об этом поделиться. И не переживайте, мы всегда будем переводить все, что нужно, и на русском. Так что вам нужно все у себя дома. Вы здесь дома. Спасибо. Ensuite, nous avons notre premier artiste. Il est rappeur. Ouais, c'est un russe. Wow. Oui, et il est rappeur. So later we're going to have an artist. Il va rester avec nous. A rapper, so he's going to present something to us here.
Il a deux chansons, mais il va d'abord faire la première chanson et on va continuer avec les discours. Ensuite, il fera la deuxième chanson. So the rapper will present something to us, then we continue with our speech. Wow, I didn't know that we have rappers here. Yeah, we got rappers. I thought rappers are only Africans. No. Is the rapper already here? Already here. Can I see this rapper, please? No, he's really gone. Where is he, please? I know he should be seated somewhere with his Russian friends. Yeah, we have a rapper here. Yeah. A Russian rapper. Yeah, a Russian rapper. Interesting. But you're gonna see him. Okay, maybe he's going to listen to me to be a surprise. Well, he's gonna be a surprise. Take it. Can you invite Okay, it's going to be a surprise. Ensuite, on va continuer avec les discours. Tout à l'heure, on avait des femmes, parce qu'aujourd'hui, c'est notre journée. C'est la journée des femmes. Donc, on a fait honneur aux femmes. Ensuite, maintenant, on va continuer avec les discours de nos hommes, les hommes forts de ces femmes. Ils vont nous parler de beaucoup de choses très intéressantes. Ça va faire en sorte que vous allez rester, vous allez quitter d'ici avec beaucoup de choses dans la tête qui vont vous aider à mieux vous développer dans la Russie. On va parler de M. Moïse qui viendra ici nous parler du succès qui appartient à ceux qui font la différence. Il viendra nous parler du succès qui appartient à ceux qui font la différence. Vous allez le voir quand il sera là. Il est membre du conseil des sages dans ACK et il nous parlera de ça. Le succès. Nous tous ici à l'intérieur, nous souhaitons être succès. Nous voulons tous So as you said, after the rapper, we're going to continue with our speech. And we're going to have Mr. Moïse, who will present to us. Moïse is one of the advisors, one of the elders of ASECAM. So he's going to share with us some words of motivation. And he's going to talk about success. That success belongs to those who make a difference. So we are here in Russia, studying, some are here for work. And we need to make a difference if we want to succeed. So it's our way to share this with us. Yes. And after Mr. Moïse, we're going to have our gorgeous president. I'm going to say it in English and in French, maybe in Russian, because he's the one presenting me. He's so handsome. As I was saying, Mr. Jeremy, he's going to talk to us today. He's going to talk about adaptation of new student immersion as scholarship opportunities. You see, nous avons M. Awadjemi qui va nous parler de l'adaptation des nouveaux étudiants en Russie et les opportunités qu'offrent les bourses scolaires. Nous tous ici présents, nous ne sommes pas tous boursiers. Il y a d'autres personnes qui payent des pensions énormément chères. Là, il va nous parler des opportunités, comment est-ce qu'on peut faire pour obtenir des bourses scolaires, qui va au moins atténuer la somme qu'on a l'habitude de payer dans les universités. Et ça va nous permettre, nous, les étudiants, de pouvoir mieux se mouvoir dans la Russie en tant qu'étudiant et en tant que travailleur. Wow, that's amazing. Great speech, guys. Great topic, actually. I never will be interested. But who is this person? Can you show me this person? Mr. Jerry. Maybe he's someone very handsome. Maybe he's absent. He's not. He cannot be absent. Okay, let's hope that he comes. He peut pas être absent. Il est là. Il est là. Il peut pas être absent. Il est très mignon. Il a un micro en main. So let's go. Donc vous pouvez déjà imaginer. So as you said, we're going to have Mr. Jerry, who's going to share with us about the adaptation of new students in Russia. Very, very important. We know that new students come to Russia every year, every month. And most of them, they don't know what to do, where to go to, and how to integrate themselves in Russia. So Mr. Jerry is going to share some few words on how
new students have to adapt in Russian. And also he's going to share about scholarship opportunities. So when the time comes, we will hear from him. Thank you. Maintenant, nous avons notre vice-président de l'Association des étudiants de Moscou, Bilois Florent, qui viendra aussi ici et qui nous parlera de deux choses. Nous avons Building a Thriving Cameroonian Diaspora Moscow Collaboration, Innovation and Unity. Ici, il nous parlera de la collaboration, de l'innovation et de l'unité en construisant un Cameroun, une diaspora camerounaise à Moscou meilleure. Wow, that's a powerful topic, actually. Well, powerful one. Yeah, actually, I noticed that all these topics are all about unity, community. No, community is power. When people live together, assist each other, there's always development, there's always progress. And I'm so happy with all these topics. All is about coming together, working together as one. Yeah, as you said, Mr. Florent, the second vice president of Vatican, is going to share with us about a topic which is very, very important. Building a thriving Cameroonian diaspora in Moscow. Collaboration, innovation, and unity. You see, unity. L'unité est très importante dans la diaspora, que ce soit dans la diaspora camerounaise, que ce soit dans la diaspora africaine. Yes. L'unité est très très importante sur le plan diplomatique. Ensuite, nous aurons notre dernier discours. Vous savez, on a l'habitude de commencer toujours par celui qui est le plus important dans la soirée. Mais nous avons décidé de faire les choses un peu différemment. Et vous voyez, on va parler ici de notre cher, beau, immature. Ah non, mais très très élégant, c'est pas faire grand-chose. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui, non. Nous avons un président très élégant. Mais notre immaturité fait de grandes choses. Il y a raison, c'est mon blague, il est consommé. Сейчас живу в Москве, занимаюсь музыкой, обучаюсь тоже в институте МГИ. Да, экономия, магистратура. Merci, Samana Sierra, Я из Москвы. Ой, это учусь Альфа-Мукрии. Осталось свободно учиться. Очень приятно. Меня зовут Никита. Учусь в Грии с моим братом Галиной. Да! Даже ему. У вас национальной одежды не похож, это не из Камуна. Поэтому я сразу определю, что ты не из Камуна. Это из Африки. Это из Африки. В отличие от них, я пустачомный. Я из Камуна. Спасибо, очень приятно. Хорошо. Меня зовут Рюстич Стефан. Не знаю, кто как Кристиан. Я учусь на первом курсе журналистики. Очень хорошо говорит. А, нет, это магистратура. Почему ты не спросил? Мне до того, как говорить, надо попросить. Ну, надо уточнить. На первом курсе магистратуры. Ну, это чтобы продолжать разговор. Спасибо. Я тоже как-то веду мероприятие и тоже иногда записываю трек, пою в Крапиве.
Это у нас фолк-студия там в Руде. Недавно тоже выиграл кубок вчера. В Сочи были, и мы представили Африку. Там две команды выиграли вчера. Очень рад, что Африка может что-то делать даже в сфере КВН. Ну, спасибо вам. Классно. Поздравляю. Je suis Clémentine Elabon. Je suis l'ancienne présidente de l'Association camerounaise des étudiants de Moscou, abrégée ACK. Aujourd'hui, je devrais un peu exposer sur le thème l'amour et l'unité, base d'une communauté forte. Déjà, pour commencer ici parmi, je vois beaucoup de gens qui avaient peut-être des programmes autres, qui avaient leur boulot, qui avaient des occupations, mais qui ont laissé pour venir ici partager ce moment avec nous aujourd'hui. Cela déjà prouve l'amour que vous avez, non seulement pour la communauté camerounaise de Moscou, mais également pour la communauté camerounaise de toute la Russie, parce qu'ici également, il y a des présidents des autres villes qui sont venus nous soutenir. Déjà, j'aimerais vous dire merci pour cela. Et aussi, parlant un peu de l'amour et de l'unité, qui est la base d'une communauté forte. Je dirais déjà dans notre association, par exemple, cela se voit, à chaque fois que nous avons un appel à l'aide, à chaque fois que l'un de nous se retrouve face à une situation où il faudrait qu'on aide, ou alors une situation toujours de joie, tout le monde est toujours présent pour l'aider, pour l'épauler. On ne regarde pas cette personne, quel est son nom, est-ce qu'elle vient de quelle région, est-ce qu'elle vient de quelle zone au pays. Nous sommes toujours tous comme un seul homme debout pour l'épauler. Donc, j'aimerais vous appeler chers Camerounais, pas seulement de Moscou, et également des autres villes, à rester ainsi soudés afin que nous formons une société inébranlable en Russie. Car seul, on va plus vite, mais ensemble, nous allons très loin. Merci. Merci beaucoup à notre ex-présidente Clémentine qui nous a parlé de l'amour et de l'unité. Nous allons continuer directement avec notre chargée de la communication d'ACCAM, qui est Madame Nadège. Elle viendra nous parler de la positivité, la persévérance et l'environnement. Merci. Bonsoir à tous, moi je suis Nadège Meguego, étudiante à ODM, Master 1 Informatique Appliquée. Je suis aussi directrice générale de Nadège Da Service. Aujourd'hui je vais vous parler de la positivité, la persévérance et l'environnement. Parce qu'il y a une chose qui est importante en Russie, c'est qu'il faut être toujours positif. C'est vrai quand nous venons d'arriver en Russie, c'est difficile. Nous rencontrons des personnes qui nous parlent seulement des choses négatives. Nous devons savoir rester positifs. Nous devons persévérer parce que quand nous persévérons, c'est au bout de l'effort que nous avons la victoire. Et l'environnement, nous devons nous entourer des personnes qui nous amènent à avancer. Des personnes qui nous permettent d'investir. Parce qu'il ne faut pas attendre avoir fini les études pour penser à investir. On peut étudier, on peut investir. Et il y a aussi une chose très importante, c'est l'emploi du temps. Il faut savoir faire son emploi du temps journalier et s'assurer d'atteindre les objectifs. Sur ce, je vous souhaite bonne fête de la femme, bon appétit, qu'on s'amuse bien. Merci. And our next person who will come here to share with us. So on our list, we have the next person.
a speech which is going to be made by Mrs. Sikati Morel. She's going to talk to us about multi-tentacle pandemic, sugar. She's in charge of the health department of Africa. So we want to welcome Morel Sikati, please. Morel Sikati. Hands of applause, please. Hands of applause. Welcome her. Alors, une étude médicale réalisée dans plusieurs parties du globe nous démontre que la plupart des personnes souffrent de différentes maladies dont la cause principale est le sucre. Mesdames et mesdemoiselles, je vous salue et bienvenue à tout le monde dans cette salle. Aujourd'hui, je vais vous parler du sucre, mais je vais commencer à parler en anglais. You're all welcome, it has become an old party this evening. Thank you. Today I'm going to talk about sugar, which has become a really great pandemic nowadays in the world. And many of us are very ignorant of what sugar can do to our bodies. That is glucose. Basically, in a medical term, we're going to talk about glucose. But today I'm going to use the basic term, which is very, very used nowadays, which is sugar. Nowadays, we eat a lot of food, a lot of vegetables, a lot of fruits, a lot of fast foods that contain a lot of sugar. What does sugar do to our body? The principal role of sugar nowadays is just energy. That's the only role of sugar. Aside from that, it has a lot of side effects, which very few of us are known or are well known nowadays in the world. As I said earlier, the principal role of sugar is glucose and its energy for our brain. Now, we all know everything in excess is very bad for our organism. Drinking too much is bad. Talking too much is bad. Eating too much is also very, very bad. Yes. The same as glucose, is sugar. We all know now glucose is taken from starch. Starch is like carbohydrates, pasta, honey. Basically, everything that contains starch has glucose. The moment you eat glucose, what does it do? It goes to your body and it's being changed. I mean, when you eat starch, it's being metabolized to glucose, which is ingested into three main organisms in our body. Consequently, which is the liver. We all know what the liver is. In French, we call it the foie. The second part is called the muscles. It's been metabolized in the muscles. Our muscles take down the glucose and it's used for energy. The third part, which is basically mostly used, as we all know, is our fat tissues. Fat tissues use that glucose as well as energy, which is the principal source of energy. The moment glucose is very high in our body, we have glucose spikes. We call it glucose spikes. And the moment we have a lot of glucose spikes, we are predisposed to a lot of diseases, principally cardiovascular diseases, kidney diseases, liver failure, renal failure, and many others. I can just name a few. We all know, I hope and I think everyone in this hall has heard about hypertension, I guess. And we all know and we have a belief that hypertension, the main or the principal cause, is stress. And I'm here to tell you all guys, it's very, very false. The principal role of hypertension, the main cause of hypertension, is sugar. The main cause of high blood pressure is sugar. The main cause of cardiac failure or cardiac arrest is sugar. The main cause of Alzheimer's disease, which is dementia, where we lose our memory, is sugar. The main cause of polycystic ovarian syndrome, which many women suffer nowadays, the principal cause is sugar. I can just name a few. The main cause of infertility, both in men and in women, the principal cause is still sugar. So, now, how do we in our body, generally, I don't know if everybody's surprised, but all chronic diseases that we have nowadays, the principal cause is very sugar. That is it. It's not stress. It's not lack of exercise and all the like. The principal and the main cause is sugar. And now, why is it very, very not well spoken about? Because we have a lot of companies
whereby we use sugar for conservatives. We use sugar now. If you go and buy a corn, for example, corn, conserved corn inside the tin, you're gonna see the label. They're gonna put a very big amount of sugar to conserve the corn for a greater period of time. And that's why it's less spoken about worldwide. If you go and buy, for example, beans, it's the same thing. Everything is the same. So now, when you eat glucose, for example, we all think that all those who should matter, who should care about their glucose levels, are diabetic patients. No. Diabetic patients, we all know that they have lack of insulin in their blood. Or they have excess or they're resistant to insulin, as I say. Okay, all of us are supposed to care about our glucose level. When you eat starch, it's being broken down to glucose. And now, the more you eat starch, your glucose level keeps rising, and it keeps spiking. I'm sorry. Okay, I'm running out of time. Okay, the four principal ways to reduce or to control your glucose spikes are four advice I can give you guys. The first one, every time you want to begin a meal, you begin with a vegetable or a fruit. I don't mean spice, I don't mean fruit drinks, orange juice, I mean a whole fruit, whole orange fruit, you begin with a fruit. Then, the next thing you have to continue with is a protein. You don't eat carbs, the second part of your meal. You begin with the fruit, the next is the protein, before you go to starch. The second spice I'm gonna use here is to use vinegar. Before you want to eat starch, you can take a spoon of vinegar, put in a glass of water, it's going to reduce your glucose spike. It's going to make it very low. The third way after eating starch, I can advise all of you, is doing an exercise. At least you can, after eating the starch, you can start using your legs, for example. Move your legs like this. Even on a chair, you can move your leg for 10 minutes. Like, move your muscles, let your muscles work. Because when your muscles inhale that sugar, it has to use it. So the moment you use your muscles, for example, do these exercises, you can move your legs like that while sitting for about 10 minutes before resting or doing whatever. Now, I want to finish this speech without talking about vitamins. Now, we all know that we are in Russia and we have winter. And winter is about, for example, 3 or 4 months. We all know. And most of us know that we take calcium. We think calcium is best for us during winter. And I'm here to tell you, it's partly true and it's partly false. Why? Because we have a lot of calcium in our body, in our food stock. Now, when winter is fast approaching, what I'm advising you to take is to take vitamin D. Go to the pharmacy, buy vitamin D. Because without vitamin D, your body won't be able to absorb the calcium you're taking. Don't forget, calcium is mainly used for our heart. Our heart uses calcium to pump. And all other organisms, our muscles, our liver, basically all our organs use calcium. So I'm advising you now, right now, with the next winter, what I advise you to do is to buy vitamin D. Thank you for your attention. Thank you. Забываю снег.
Хочу поздравить отдельно еще раз всех девушек, всех женщин с 8 марта. Это международный день, это ваш день, это ваш праздник. Еще раз, 8 марта. On va se lever pour prier et bénir nos repas. Amen. Quelle que soit la religion de tout un chacun, je crois que nous prions tous un même Dieu. Nous prions. Abba, ta parole de Dieu déclare qu'il est bon pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, car c'est là où tu déverses ta bénédiction. Merci encore pour cette bénédiction que tu déverses en nous en ce jour. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce qu'en ce jour, tu permets que la communauté de Moscou, la communauté camerounaise de Moscou, puisse célébrer la journée de la femme. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ que tu nous combles davantage en cette soirée, que tu déverses ta bénédiction. Père, nous te présentons le repas qui est sur la table. Nous prions, ô Dieu, que tu bénisses les mains qui l'ont préparé, tu bénisses les sources de provenance et que tu donnes à ceux qui n'en ont pas et que tu nous donnes, Seigneur, de prendre cela avec action de grâce. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. 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 À cette belle fête de cette âme, je ne pense pas que je peux dire quelque chose de spécial par rapport au succès. Mais je sais que chacun d'entre nous a son point de vue. Chacun d'entre nous sait comment faire plus ou moins pour essayer dans la vie, pour réussir. Je vais partager avec vous des points que je trouve utiles à adopter dans un pays étranger pour s'en sortir, pour faire la différence. Lorsque nous avons quitté le Cameroun pour venir en Russie, nous avions en tête de réussir. Certains sont allés en France, d'autres au Canada, d'autres aux États-Unis, d'autres en Russie. Le problème premier qui se pose, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est arrivé en Russie, on s'est dit, mais je suis venu en Russie parce que je n'avais pas le choix. Et d'autres se sont dit, nous sommes au Canada, nous sommes heureux, nous allons réussir. Mais vous remarquerez avec le temps que peut-être 5 ans, 10 ans, que certaines personnes ont été en Russie, mais ils ont eu plus d'argent. De ceux qui étaient au Canada, en France ou ailleurs. Qu'est-ce qui fait la particularité? C'est justement notre mentalité, notre façon de penser, notre façon d'être en nous-mêmes. Si tu te dis que je suis en Russie, je ne peux pas réussir en Russie, la Russie est difficile, ce n'est pas le Schengen, ce n'est pas l'euro, ce n'est pas beaucoup de choses, sois sûr et certain, mon cher, tu ne vas jamais réussir en Russie. Mais si tu penses qu'en Russie, tu peux trouver une façon de résoudre les problèmes des autres, là c'est sûr, tu vas réussir en Russie. Quand des gens me disent qu'ils doivent quitter la Russie après leur master, leur doctorat pour aller au Canada, moi je leur dis, je suis déjà arrivé au Canada. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous verrez que tous ceux qui ont des entreprises sur la terre, que ce soit en France, au Cameroun ou dans n'importe quel pays, ce sont des entreprises de services. C'est-à-dire, ils rendent service à des personnes qui se font payer pour faciliter les tâches d'autres personnes. Ça veut dire qu'il suffit d'identifier les problèmes et les besoins, soit des étrangers en Russie, soit des Russes même, et trouver une solution à ces problèmes-là. Une fois qu'on a identifié ces problèmes, qu'on a trouvé ce soit ces problèmes-là, on propose des solutions pour ces problèmes et les gens viennent payer afin qu'on puisse résoudre ces problèmes. C'est comme ça qu'on réussit dans la vie finalement. Comment faire la différence? Nous sommes étudiants, on est inscrit en baccalauréat, on est inscrit en master, on est inscrit en doctorat. Il ne faut pas te limiter si par exemple tu fais programmation, il ne faut pas te limiter à apprendre la programmation. À part la programmation, tu peux apprendre le design.
tu peux apprendre d'autres activités qui tournent autour de la programmation. Par exemple, j'ai un ami qui avait fait un stage à Maswa City, un Ivoirien, qui devait être employé pour faire du B2B. On l'a pris juste parce qu'il avait des connaissances en Python. En Python, n'a pas de rapport tellement avec les finances et tout ça. C'est parce qu'il a vu des amis qui font informatique, il a aimé la programmation, il a appris la programmation, et finalement, on accède à ce poste juste parce qu'il connaît un peu de programmation. C'est pour dire que quoi que tu fasses en Russie, apprends autre chose. Ne te contente pas seulement de ton diplôme, ne dis pas juste que non, j'apprends pour mon diplôme, j'aurai mon diplôme, j'aurai une classe de diplôme. Le classe de diplôme te donnera la résidence, mais pas de l'argent. Si tu veux plus que ça, il faut que tu apprennes des métiers qui sont réellement recherchés en Russie. Parce que pour l'instant, nous sommes en Russie. Mais si tu es en Russie, tu apprends juste pour le diplôme, tu apprends juste pour, je ne sais pas, avoir des bonnes et tout ça. Ce n'est pas comme ça que ta vie va changer, quoi. Parce que même si tu prends un master en Russie et que tu rentres au Cameroun avec ça, ce n'est pas sûr que là-bas tu auras une vie assez spectaculaire. Apprenons des choses qui sont autour de notre diplôme. Apprenons des métiers qui sont réellement recherchés. On peut apprendre sur YouTube, on peut apprendre sur Internet, pas forcément dans une école spécialisée. Il y a des gens qui pensent que peut-être pour avoir une compétence en programmation, il faut seulement aller à l'université. Non, pas seulement. On peut s'asseoir à la maison sur YouTube, on peut s'asseoir à la maison sur des sites de formation, apprendre la programmation, avoir les compétences pour la programmation, chercher le travail en disant nous savons programmer. Et lorsqu'on nous propose du travail, par exemple, les gens aiment dire non, je veux du travail, je suis super payé, je veux être bien payé. Ce n'est pas comme ça qu'on réussit. Tu prends d'abord ce qu'on te donne. Quand tu es à l'intérieur, tu montres les autres compétences que tu as. Et c'est ainsi que tu as un salaire qui augmente. Mais on sait aussi que ce n'est pas forcément avec le salaire qu'on réussit dans la vie. Il faut être indépendant. Mais être indépendant ne veut pas dire qu'on se lève un matin, on commence à faire des choses et on espère que les gens vont apprécier. Non. Il faut d'abord se faire former. Il faut regarder les expériences de ceux qui sont passés avant nous. Et aussi décider de faire la différence et aussi améliorer la façon de faire des autres. Ce n'est pas en faisant ce que je fais qu'on aura plus de personnes. C'est en faisant un peu différemment, c'est en faisant mieux qu'on aura plus de personnes. Pour terminer, sachant qu'on ne réussit pas dans la vie du jour au lendemain, il y a des difficultés, il y a des moments de désert, il est important de persévérer. Il est important de persévérer. Et surtout, il ne faut pas regarder à côté, ne dis pas que non, mon frère est plus avancé que moi. Non. Prends ton rythme, avance à ton rythme, apprends tout ce que tu peux apprendre, apprends tout ce que tu dois apprendre et avance à ton rythme. Demain, dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, lorsque vous allez vous comparer, tu vas réaliser que tu es beaucoup plus loin. Peut-être que tu seras tous des employés, juste parce que tu as accepté de passer par le désert, tu as accepté de persévérer. Donc, pour réussir, ne manque pas la facilité. Ne restons pas concentrés sur ce qu'on fait, apprenons autre chose, soyons ouverts d'esprit. Et surtout, acceptons la solitude. Parce qu'il y a des gens qui sont en Europe, ils arrivent en Russie, ils veulent être amis avec tous les Camerounais de la Russie par exemple. Ce n'est pas comme ça que tu vas réussir. Sois ami avec des personnes qui ont des compétences, des qualités ou même des métiers que tu aimerais avoir. Ils vont t'étirer. Sois ami avec des gens qui peuvent t'étirer. Sois ami avec des gens qui peuvent t'apprendre. Sois ami avec des gens qui peuvent t'aider à percer. Pas avec des amis du quartier qui vous partagez les mêmes repas, vous mangez le même temps le soir et tout ça. Non, c'est pas comme ça. Sois ami avec des gens qui sont destinés. C'est ce que je voulais partager avec vous. Soyons sages, soyons vraiment sages et persévérons malgré les difficultés. Persévérons, n'abandonnons pas. Si tu as un rêve dans ton cœur, ne l'abandonne pas, ne dis pas, je suis en Russie, ça va réussir en France, non. Là où tu es, persévère. Si tu façonnes assez bien ton projet, ça va toujours marcher. Ça va toujours marcher. Merci à tous et bonne soirée. Pour ce grand, on this special day of March 8th, International Women's Day,
I want to take a moment to acknowledge and celebrate the incredible contributions of all the women among us. Your strength, resilience, and dedication inspire us all. And we are truly grateful for your presence in our team and in our lives. Please, a round of applause for all the women present today. Please, let's clap for our women. I think this round of applause is not enough. Please, let's clap for our women on Women's Day. Thank you very much. They deserve to be celebrated. I think we already spoke a lot. We all want to eat, right? So please. Okay, let me just continue. As we continue the development of ASECAM, it is crucial for us to recognize the importance of this organization. ASECAM provides us with a platform to connect, to support each other, and work towards I think we better speak later and let everybody eat for everybody to be comfortable. Please, good appetite to everybody and enjoy your evening. Thank you. I want to say one thing. When new students come to Russia, it's very important for them to be involved in extracurricular activities of the university. Why is it important? This permits them to be able to practice the Russian language, have live interaction with people, the Russians themselves, and to easily get opportunities where they can have job opportunities. Secondly, one very crucial point I want to say concerning the adaptation of new students in Russia. When new students come to Russia, I have noticed one thing. Most new students have complained to me that on arriving in Russia, they have faced some moments of racism and some discontent moments. I want to use it to say that we all are elders in Russia. When we meet new students, we have to tell them that they will face such problems. But one thing they have to know is that when they face moments of racism, they should ignore it. Because people who provoke them are not the real Russians. Because the Russians that I know are humble people. They are very kind people. We should notify them, our students, the new ones who just arrived, that such moments are from people who are from the regions, other neighboring counties of Russia. Those people are always ignorant. People from neighboring counties of Russia, they are ignorant. And when they see foreigners, they either attack us, and there's maybe some of the same words that we would like to hear. Secondly, I want to give one word for us to always
share with newsmen when they come to Russia. What is it? When newsmen come to Russia, please, everyone, tell them to write their phone numbers and attach into their passport. We have had situations where new students come to Russia and they lost their passport. And when they lost their passport, they are in trouble. They have to go make a new one, spend money. But if they put their phone number on a sheet of paper and attach it to their passport, if the passport is missing, someone can call the number and hand the passport back to the student, which is very important. So we are all now that are in Russia, please, when you meet new students, advise them to put their phone numbers, write their phone numbers on papers, and attach it to their passport. Tell them to always involve themselves in extracurricular activities. They should participate in forums, social events in the university. It is going to help them to easily adapt in Russia. Secondly, I will go now to scholarship opportunities. We have many foreign students here in Russia. They pay for their studies. They struggle to work to earn money to finance their studies. Sometimes I can call this slavery. Why do I say so? Because people spend all their time working to make money. No time to study, no time to follow their activities at the university, and after working they carry all the money and they give the university. At the end of the day they receive a certificate, but the intellectual know-how is not there. So it's very important for us to always look for scholarship opportunities. Many years ago we have had situations where we meet students at the airport. Most of them are being scammed. Most of them don't know how they arrive in Russia. Maybe someone scammed them and they are hooked up at the airport. We either help them to go to the university and pay again for their tuition fees. And we'll be having all these problems constantly. So recently we have created a team of people to guide students to obtain scholarship. Even those who are completing their bachelor's degree in Russia, we can guide you to obtain a scholarship to do your master's program. So, I want to say that we've created a team called Dream in Russia. This upcoming academic year, we have about 30 candidates who obtained a Russian government scholarship. And we continue to do this because we want to see our foreign students in Russia studying free of charge and being able to work, get work opportunities, and when they earn that money they can assist themselves and their family back at home. So if you are interested about scholarship opportunities in Russia, you can contact us later and we will share you more information about this. Thank you very much. Okay. Our president, Mr. Bunya Gaius. Sur vos ovations, s'il vous plaît. Where is he, our president? So he's going to conclude the final word before we go to other activities. Le président, vous êtes trop chaud. Oh, come on, let's ask our president again, please. T'es trop fatigué, on ne peut pas vous donner le micro à la fin. Yes, yes. Bonjour, Azekam. Bonjour, président. Asekam, bonjour. Bonjour mes chers invités. Je suis fier car on a réussi un peu le parcours. On a fait un pas en avant. Avant nous étions dans les appartements pour pouvoir se réjouir. Et aujourd'hui nous sommes dans une salle d'hôtel louée par les Camerounais de Moscou. Des simples étudiants qui ne travaillent rien et qui mangent que la sueur de leurs études. De les petits boulots. Je voulais vous dire merci d'avoir sacrifié ce que vous avez fait pour pouvoir réunir cet événement, pour pouvoir innover, pour pouvoir rassembler, pour pouvoir fortifier cet événement
Et aujourd'hui, nous sommes réunis tous comme un seul homme. Je vous remercie vraiment. Et j'ai la joie au cœur. Aujourd'hui, on va parler. Aujourd'hui, on va un peu discuter. Aujourd'hui, on va un peu innover. Mais je vous demanderai une seule chose. Au nom de tout ce bureau qui travaille dur, que bien sûr je vous présenterai plus tard dans mon audition, au nom de toutes ces personnes, femmes, filles qui ne dorment pas depuis 2 semaines, qui ont préparé dur pour pouvoir vous ressembler, souffrez s'il vous plaît. Même si c'est ennuyant de pouvoir m'écouter. Comme je disais tantôt, aujourd'hui j'ai un thème assez crucial que le bureau d'Azekam et les personnes que je représente ont bien voulu que j'en parle. Ils m'ont dit il faut en parler de ce thème. On m'a donné un mot. Danser sur la pluie. C'est tout ce qu'on m'a dit. Il faut en parler cela. Il faut dire cela aux jeunes. Les jeunes ont besoin de savoir. Ils ont besoin de comprendre. Danser sur la pluie. Je me suis rappelé d'une petite histoire. Il y avait, lorsque j'étais petit, hein, lorsqu'il pleuvait, je courais, j'allais sur la pluie, avec bien sûr certains gamins de mon quartier, ou camarades ou amis, comme on disait à l'époque. On jouait sur la pluie. On courait, on gambadait, on tombait, on se blessait, mais on était heureux. C'est alors que j'ai compris la définition du mot. Danser sur la pluie. Qu'est-ce que signifie danser sur la pluie? Je me suis plongé, je me suis dit, ah, lorsque j'étais gamin, je courais sur la pluie. Je dansais sur la pluie à mon chaussettier, monsieur Cochelet le sait. On courait sans caleçon, excusez-moi le terme. On courait, on tombait, on s'enroulait, on se blessait, mais à la fin, on était heureux. J'ai compris que danser sur la pluie, c'est un homme qui court dans la vie courante, qui avance et qui, comme cet enfant, se tombe, se blesse, s'enroule, trouve des difficultés, mais surtout trouve la force de garder le sourire, de garder la joie de vivre, de garder l'endurance. Beaucoup me demanderont alors, président, comment danser sur la pluie dans un pays comme la Russie? Que nous persécute de jour en jour, qui essaie chaque jour de nous déstabiliser. Problème de loyer, scolarité à payer, sinon on ne prolonge pas le visa. Et nous savons que quand tu perds ton visa ici, le retrouver c'est une autre chose. Je me suis donc dit que le plus important pour danser sous la pluie, cher ami, et ce que je conseille ici, et comme le doyen Moïse l'a dit sitôt, qui est un mot très important, ce n'est que mon point de vue. Il peut être s'avéré faux, peut-être vrai, peut-être même idiot, mais c'est mon point de vue. J'ai donc décidé aujourd'hui de partager mon expérience, de partager mon vécu, de partager avec le temps ce qui s'appelait mon expérience. Qu'est-ce que danser sur la pluie peut signifier? Qu'est-ce que danser sur la pluie peut arriver? Vous voyez, lorsque je suis arrivé ici en Russie, la vie n'était pas rose. Жизнь была сладка. J'ai rencontré beaucoup de difficultés. Я встретил много трудностей. J'ai rencontré beaucoup de problèmes. У меня были много проблем. Que je peux appeler la pluie. Которые я могу назвать дождь. Mais j'ai trouvé la force de danser. Но нашлись силы потанцевать. J'ai trouvé la discipline qu'il fallait pour danser. Я взял себе дисциплину и начал танцевать. Comment? Как? Je vais vous raconter, ça pourra vous aider. Я расскажу, может быть, это вам поможет. Il faut 3 choses pour danser sur la pluie. Нужны 3 вещи, чтобы танцевать под дождем. La première chose qui vous danse sur la pluie, et c'est la plus importante. Первое всего и самое главное.
c'est le mental. Et dans Sila Duba. Qu'est-ce que le mental, vous allez me demander? Je t'appelle Sila Duba, oui, mais c'est franchi. Le mental est la capacité que possède un homme à résister à la souffrance, à la torture lorsque tout va mal. C'est la douba et quand je vais manger un petit nutritionnel, c'est le chobo d'Irjatsa, quand même si on peut voir comme ça. Ça dit tout va mal là, mais je suis debout. Je suis un homme, je suis guéri dans tout. Donc si on peut voir, on doit dire que je suis un peu d'âge. Cher ami, dragué douzia, développez votre mental. Vamos na razvivat vašu silu. Développez votre force d'esprit. Развивайте вашу силу. Développez plus que jamais ce qui est ici. Развивайте больше всего то, что у вас в голове. Ça va mal. Все плохо. Tout va mal. Все очень плохо. Il pleut. На улице дождь идет. Mais dansez. Но танцуем. Endurez. Держитесь. Persévérez. Идите дальше. Certains disent demain sera meilleur. Все, некоторые говорят, что завтра будет лучше. Croyez-en. Верите. Mais ce n'est pas le seul. On peut avoir le mental, mais il faut trois autres. Но это не все. Вы можете иметь сила духа, но вам нужны еще два других принципа. Le plus important, самое главное, c'est le choix de ses compagnies. Это выбор своих друзей. On dit souvent à cet homme, et je vous dirai aujourd'hui, la personne qui t'entoure détermine ton avenir. Я вам говорю сегодня, Асикам, человек, который рядом с вами, может определить ваше будущее. D'autres disent, mieux être seul que mal accompagné. Et которые говорят, лучше быть один, чем быть в плохой компании. Si vous marchez avec un alcoolique, если вы гуляете с алкоголиком, il est évident que vous êtes, vous serez le prochain. Рано или поздно вы станете алкоголиком. Mais si vous marchez avec un crédit comme monsieur Asiel Academy, но если вы будете с хорошими людьми, vous serez peut-être le prochain millionnaire aussi. Может быть, вы станете следующим миллионером в России. En fait, c'est une façon de vous dire que entourez-vous des personnes qui partagent vos rêves. Et я хочу бы сказать, что надо быть в окружении людей, которые делят ваши мечты. Entourez-vous des personnes qui partagent vos émotions. Потому что помимо них, le plus important dans la vie, самое главное в жизни, c'est trouver des personnes qui vont dans le sens où vous voulez aller dans votre vie. Et d'en найти людей, которые идут одной дорогой вместе с вами. Pour moi, je vais vous choquer. Être un alcoolique avec une mauvaise personne. Что? Pour moi, je vais vous choquer. Être un alcoolique n'est pas veut dire une mauvaise personne. Я вас сейчас шокирую, но быть алкоголиком может не означать быть плохим человеком. Être un chercheur de femme n'est pas une mauvaise personne. Быть бабником не означает быть плохим человеком. Être un abruti ou quoi n'est pas une mauvaise personne. Et il sait ça, les gars. Mais le plus important pour vous, nous savons que la tête les vases, vous dire, c'est de s'entourer de la personne qui veut être ce que vous voulez être. Et d'être rien de человек, который отражает ваши мечты. Qui vous voulez être, en ce cas? Кто вы хотите, кем хотите стать? Quel genre de personne vous voulez être? Каким человеком вы хотели стать? Un alcoolique? Алкоголик? Un conducteur? Или доктор? Un narcotique? Наркоман? Ou bien un économiste? Il est économiste. Une mauvaise personne? La fois, la fin de l'année. Ou un homme de demain? Il est bâché de l'année exacte. Entourez-vous de la personne qui partage vos rêves. Vous irez donc sur le mec à tous les dire à toi je m'inscris. Accrochez-vous à lui. Tiens, demandez-lui d'exister. Demandez-lui de vous aider, de vous soutenir pour une meilleure. Попросите у них советы, чтобы они вам сказали, как расти и быть лучше человеком завтра. Après cela, дальше, il reste une troisième chose. Есть еще один принцип. Vous dansez sous la pluie. Чтобы танцевать под дождем. Il faut être éveillé et concentré en attendant les occasions qui se posent à nous. Надо уметь сосредоточиться и всегда быть бодрым. Un sage le disait, il y a deux choses qui ne viennent pas dans la vie. Мудрый человек сказал, есть два вещи, две вещи, которые всегда, которые возвращаются в жизнь. Je vais peut-être vous choquer, la plupart d'entre vous auraient pu être milliardaires aujourd'hui peut-être. Я вас сейчас шокирую, может быть, некоторые из вас могли уже стать миллиардерами сегодня. Mais ils ont manqué l'occasion qui s'est posée à eux.
nous allons vous tirer dans la toile poste. Soyez éveillés, mes frères. Soyez concentrés. Et à cette occasion qui arrive à vous, qui n'arriverait plus demain. Yes, возможность, которая идет к вам прямо сейчас, которая уже не придет завтра. Soyez concentrés et saisissez-la, arrêtez-la et ne le lâchez plus jamais. Держите эту возможность и не упускайте ее никогда. Et si vous le saisissez, если вы будете держаться за ее. Et si vous entourez des personnes qui pensent comme vous, если вы будете рядом с людьми, которые думают как вас, как вы, ainsi couvert, ainsi sous couvert de tout cela, vous additionnez à cela un mental pour résister à toutes les situations qui pourront vous déstabiliser. И если к этому добавить еще силу духа, которая поможет вам преодолеть все тернистые пути, vous danserez sous la pluie. Вы будете танцевать под дождем. Oui, voici ce que signifie danser sous la pluie. Вот что означает танцевать под дождем. Danser sous la pluie signifie endurer toutes les persécutions de la vie, mais faire tout. Танцевать под дождем означает преодолеть все трудности жизни, но всегда стоя идти дальше. Je l'ai dit au début, je le dirai à la fin. Я это сказал в начале, я закончу с этим. Demain sera meilleur si vous dansez sous la pluie. Завтра станет лучше днем и будете танцевать под дождем. Je vais maintenant remercier mon bureau. Sans qui je ne suis rien. Без которого я никто. Qui m'ont couvert tout pendant mon mandat. Которые меня поддерживали в течение всего моего мандата. Ils ont fait preuve de soutien pour moi. Они меня поддерживали. Pour commencer, moi je suis le président de l'association des étudiants camerounais de Moscou. Mais il y a aussi, j'aimerais qu'ils viennent voir quand je les appelle. J'ai un vice-président. У меня есть vice-président. Awa Jeremy. Awa Jeremy. Qui est le président soudain? Qui est bon? Le président de Rouden. Ah, quand il est un président assez calme, Rouden. J'aimerais le remercier, merci pour ton soutien. Я бы хотел сказать спасибо за его поддержку. J'ai aussi un deuxième vice-président. У меня также второй вице-президент. Bilo Afran. Bilo Afran. Bilo Afran, est-ce qu'il est là? Ah, Bilo Afran. Oui. Florent Bilo, est-ce qu'il est là? Qui est mon deuxième vice-président? Merci Florent. J'aimerais le remercier pour notre soutien. Ça va être tard et vite, ça va être rapide. Donc je vous souhaite merci. J'ai aussi secrétaire général qui est. On a aussi un général et secrétaire. Diouane Marceline. Diouane Marceline. Est-ce qu'elle est, elle est où? Rossi. D'après vous, ça va être dit. Qui est la secrétaire générale de l'ASECAM? C'est une machine à tout faire. C'est elle qui fait tout, qui prépare les réunions, qui prépare les tests et tout. Она организует, организует все, что вы видите, всегда активная. J'ai l'ascenseur qui est Marie-Luce. У нас также есть так, сенсор. 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 Marie-Luce qui organise tout. Marie-Luce qui sensor tout. Marie-Luce, j'aimerais lui remercier infiniment. Назовем ее директор по наказаниям. J'ai mon chargé académique qui s'occupe de trouver des bourses aux étudiants comme il peut. Есть также человек, который занимается учебным вопросом. Il s'appelle Angi. Angi, est-ce que tu es où? C'est mon nom à tout faire. C'est mon guerrier Bantou. Si Angi est là, je présente toi pour que tu puisses te voir. C'est mon guerrier Bantou. J'aimerais aussi te remercier. En plus d'Angeli, j'ai mon chargé sportif qui est abonné à Arnold. Secrétaire de passeport. Arnold. Arnold. DJ Arnold. Arnold qui DJ. Hormis mon chargé sportif, j'ai mon chargé, ma chargée de communication qui est toujours là, on s'explique souvent, mais elle est toujours efficace. Secrétaire de. Et beaucoup de jeunes disent qu'elle est venue à Arnold. И многие говорят, что у нее золотое сердце. Il s'agit de Nadine de Rouden. Это Nadine из Рудена. J'ai ma chargée d'activité culturelle qui a beaucoup évolué pour cette salle. Elle est dans le bidouche aujourd'hui.
secrétaire Bagoutouré. En passant, elle est Miss Cameroun en Russie. Et pas genre, ça n'est pas que je Miss. Et Miss Zaza. Moi, je suis Miss Afrique et Miss Chambre. Je suis Miss. J'ai aussi ma trésorière générale, et donc je sais que ma banquière, Nana Audrey, qui est en passant ma meilleure amie et qui est ma meilleure conseillère aussi. Je t'invite ici, s'il te plaît. J'ai aussi le responsable chargé de la logistique et du transport, qui peut-être n'a pas pu être là aujourd'hui, Simon Kevin. C'est le secrétaire logistique. Alias Bancomat, pour ceux qui le connaissent personnellement. Donc, dans cette réunion, moi je ne serai pas comment. Il y a aussi les chargés de la cuisine. Celles qui ont compris la cuisine aujourd'hui, il y a Elisabeth, il y a Clémentine. Elisabeth Clémentine, je suis aussi cadre de Sigonia, prégateur de l'Ixion, je trouve assez ça. Je les invite ici, s'il vous plaît. Il y a un petit peu de classique. La scène. Et je vais par rapport dire que Clémentine occupe deux postes là, à Zécam. Parce qu'elle est aussi conseillère principale du bureau. C'est notre conseiller. Clémentine, bien avec ça. Et conseiller principal. Présidente. Conseillère générale à Zécam et ancienne présidente. Il y a la tâche pour la présidente à Zécam. Et aussi le chargé du comité d'urgence et de santé qui nous aide souvent lorsqu'on a des problèmes avec la médecine. Lorsque on a des problèmes, on va sans d'arriver. À minuit, quelqu'un va mal, il faut l'appeler, il faut les appeler. J'appelle monsieur le docteur Fosso Vanel. Le chef de docteur, comme un jour sauf. J'appelle monsieur Nassou Yakoubou. J'appelle aussi, pour continuer, pour ce côté, madame Morel. Il y a beaucoup de temps que je prends la suite de la scène ou de la page à l'arrêt. Hormis cela, il y a aussi un conseil de sage, mais eux, je ne dois pas lever parce que ce sont les anciens, ce sont le papa. Mais s'ils veulent bien se lever, je les inviterai à se lever. On a un conseil de sage. Et donc, Jonas, l'amitié Moudre, qui souvent peut nous rappeler les décisions dans ce camp. Si moi, peut-être, le bureau décide mal de réagir, il peut me dire que ce n'est pas comme ça. Après, comme hier, je vois une foyer moudre. Il s'agit de Moïse Herman qui est allemand, il s'agit de Nick Jordan du côté de l'Allemagne, il s'agit aussi de mon doyen Jack, que je remercie beaucoup pour ses conseils. C'est pas si bon. Oui, et hormis cela, nous avons aussi, par rapport au comité de gens, j'ai oublié madame Ilzi Kora, Ilzi, est-ce que tu peux venir s'il te plaît, parce que c'est aussi le comité de santé. Et là, j'ai un comité de président, mais on va faire la prochaine. Donc, dans le prochain, merci. Désolé pour le temps, je peux vous rassurer qu'il me reste plus moins de 3 minutes, qu'on va bientôt finir en passant. Hormis cela, il y a aussi un comité qui est dédié à l'urgence. À l'urgence du droit et de la justice. Lorsqu'un Camerounais a un problème, il va vers eux. Et là, j'ai expliqué qu'il y a donné des aliments et ça. Les affaires, c'est minachis, vous dites, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il s'agit de M. Nipa Sylvain d'abord, qui est le coordonnateur. Nipa Sylvain, d'abord, c'est là, pour la soupe de bien sûr, accompagné des membres du bureau comme Clémentine, qui sont déjà dans le bureau, et de Abomey Arnold et de Florent, qui est le vice-président. Tous s'occupent d'aider les jeunes dans ces camps qui ont des problèmes avec la justice pour pouvoir trouver une solution partielle et équitable. Et là, c'est un indicateur qui s'est appelé à l'étudiant. Il est en cas d'étudiant. Rassemblement, tu sais, par l'étudiant, quand on est lié par la fin de l'année, hors de l'année. Oui. Et vous voyez, on a un comité qui est dédié à l'insertion des étudiants. Et là, je me suis dit, c'est quand on les animaux et ça. Помощь новым студентам. Килезеда трогает по адаптации. Назовем его. Килезеда трогает джоб популярность. Джоб на русском. Помогает им найти чем заняться, чтобы не сидеть дома после учебы. Нашу комитет
c'est dirigé par madame Eva Mbote. Parce que j'ai Eva Mbote dans le moment de la médiette. Et moi bien évidemment. Et donc je vache. Vache sous là. Oui, Cécile représente avec les membres du conseil des sages le bureau par lequel on a régné. Et donc, vous voyez les tout qui se balcon, quand on est animé, ça va prosamer assez quand. Oui, c'est merci. Avec ce bureau-là que ceci a lieu. Je ne suis pour rien. Et la bataille, n'est-ce pas, je vais se nous m'agli, va si bon, bien sa brate, mais donc ça. Ce sont des magiciens. Alipsier, il y a des amis, non, franchement, chaman. Tous ont du talent. Il faut juste le talent. Et comme disait tantôt, c'est sur ce bureau que on s'est assis pour conclure, on a pensé. On a pensé et on a décidé. Et maintenant, il en reste aux autres présidents des autres villes. Et donc, j'ai pas dire spécialement le président à 50 Drougir Garadov. En ce jour du 8 mars, l'association des Camerounais de Moscou, ACK Moscou, ont décidé de créer une autre association supérieure à eux, qui n'est sur le Turin par ACK. Nous recherchons Sazdat ACK, Vichy Moscou, ACK Moscou, la fédérale européenne. Nous avons décidé de créer l'association des stagiaires et étudiants camerounais de l'Europe de l'Est. Мы решили создать ассоциации обучающихся в Европе, на Восточном Европе. C'est-à-dire que ce soit en Ukraine, que ce soit en Biélorussie ou en Russie, tous les étudiants de cette association включает в себя студентов, исходящих из всех стран СНГ. Rassurez-vous, cela ne tuera pas vos associations, elles continueront à exister. Вот хорошо, так что будьте уверены, ваши ассоциации продолжат свое существование, мы ничего не останавливаем. Mais il y aura une synchronisation entre nous, une communication entre nous, qui remontera à l'ACC. Et ainsi, vos problèmes, cher président, pourraient être directement par les personnes adéquates, à temps et en heure. Но создадим высшую инстанцию, которая будет решать все глобальные проблемы не только России, но всех студентов из СНГ. Мы коммуникуем généralement par Telegram, qui est le canal qui peut prendre assez de personnes jusqu'à 200 000. Мы создали Telegram-канал, через который мы все вместе будем общаться и распределять обязанности. Nous échangerons entre nous, étudiants, qui avons nos réalités et nos problèmes qui sont concrètes aux étudiants. Donc, nous allons régler les problèmes concernant la vie des étudiants en Russie, et pas en Russie, dans toutes les pays SNG. Et je peux vous rassurer, dans cette association-là, comme vous avez fait à ACK, et vous savez que vous avez associé à ACK et à ACK, le pouvoir appartiendra au peuple. Народ будет все решать так, что pour le peuple, vous êtes tsarstvovat. Et par le peuple. Les premières élections auront d'ailleurs lieu en septembre pour voter qui sera le président. Et donc, nous avons déjà présenté les следующих выборы. Et vous avez dit rassurez-vous, cette association ne tuera pas votre association, mais elle coordonnera toutes vos associations. Vous avez dit, toujours nous s'installer ensemble. Ni займем место вашей ассоциации, но она станет просто дополнением. D'accord. Et pour terminer, je voudrais à vous, Vamslazak, дорогой из Марком, merci beaucoup pour m'avoir soutenu. Спасибо за поддержку. Merci beaucoup pour vos conseils. Спасибо за ваши советы. C'est vrai, vous connaissez ce match immature et ce soir, à l'instinct de péter, ce soir, quand vous allez sur les idées, je sais. Да вы знаете мой темперамент, но все равно. Mais la plupart d'entre vous connaissez le fond de mon cœur. Donc, vous все знаете. То, что у меня есть внутри. Vous savez que pour mon pays, вы знаете, для страны, pour les gens qui apportent ici en Russie, для голодающего студента, je prendrai une balle sans hésiter. Я готов лечь под пулю. J'ai peut-être mes faiblesses. У меня, наверное, есть свои слабости.
Mais c'est pas pour rien que vous m'avez choisi de salon. Oui, mais il y a Israël à vivre. L'histoire continue. Et merci à vous. C'est un honneur et un privilège de me tenir devant vous aujourd'hui pour célébrer la fête des femmes. Cette journée est bien plus que simple commémoration. C'est une reconnaissance de la force, de la résilience et de la contribution incommensurable des femmes à tous les aspects de notre société. À ce jour spécial, nous rendons hommage aux femmes qui ont tracé la voie avant nous, brisant les barrières et ouvrant des portes pour des générations futures. Nous honorons celles qui tiennent ici aujourd'hui, femmes exceptionnelles qui inspirent par leur détermination, leur intelligence et leur compassion. La fête des femmes est une occasion de célébrer des progrès accomplis, mais aussi de réfléchir sur les défis persistants. Nous devons rester vigilants dans la quête de l'égalité des sexes, car il reste encore beaucoup à faire. C'est l'occasion de rappeler que l'égalité n'est pas seulement un droit fondamental, mais aussi un impératif pour la croissance et la prospérité de notre société. Nous reconnaissons les femmes dans tous les domaines, qu'elles soient des leaders dans les affaires, des pionnières dans la recherche, des forces motrices dans l'éducation et des héros silencieux dans nos foyers. Les hommes peuvent en témoigner. Leur impact transcende les frontières et façonne notre avenir collectif. Aujourd'hui, nous renouvelons notre engagement envers la promotion de l'égalité des sexes. Nous devons continuer à créer des environnements où les femmes peuvent s'épanouir, atteindre leurs objectifs et exceller sans crainte de discrimination. L'inclusion et la diversité ne sont pas simplement des concepts, mais des valeurs qui doivent être ancrées dans nos actions quotidiennes. Chers femmes, nous vous remercions pour votre force, votre créativité et votre détermination. Vous êtes les architectes de changements positifs, les constructrices de rêves et les gardiens de l'espoir. Votre rôle dans la construction du monde meilleur est inestimable. Et il est inestimable. En conclusion, à cette fête des femmes, que nous soyons tous inspirés par le pouvoir transformateur des femmes et engagés à travailler ensemble pour un avenir où l'égalité règne à maître. Célébrons la femme dans toute sa splendeur, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour et pour toujours. Bon, j'ai fini, n'est-ce pas, avec l'honneur de nos femmes. Ça veut dire quand même, n'est-ce pas, vous acclamez nos cousins. Ils sont pas des femmes. Alors déjà, pour honorer, n'est-ce pas, les femmes, je voudrais que, n'est-ce pas, tous les hommes qui sont dans cette salle puissent se lever une seconde. Les femmes restent assises. C'est signe de respect. Pour remercier, n'est-ce pas, nos femmes, voilà. Allez, faites-le s'il vous plaît. Juste quelques secondes, les gars, levez-vous. Respectez nos femmes. Levez-vous, les gars. Everybody stand up, please. Every man, every man. Oh, respectez les femmes. Just the men, just the men. Только мужчины, пожалуйста. Respectez les femmes. On va vous supplier pour respecter la femme. Just the men, just the men to sign up. Ceux qui sont mal libérés, let's honor our women. Ah, tu blagues. Ok, c'est bon les gars, c'est bon. On va respecter, n'est-ce pas, la femme.
Ok. Juste 5 minutes encore une fois de plus, nous avons fini. Alors, au départ, je ne me suis pas présenté. Pour ceux, n'est-ce pas, qui ne me connaissent pas. Je suis AZ Digital Academy. Mais mon nom, c'est Barthélemy Christian Dany. PDG, voilà. Excusez, n'est-ce pas, avec la redondance. De AZ Digital Academy. Dans l'accompagnement, n'est-ce pas, des personnes qui sont bien évidemment intéressées au digital. En particulier du trading. De nos jours, au 21e siècle, je me rends compte qu'il y a encore des personnes très ignorantes. Il y a encore des personnes, n'est-ce pas, inalphabètes. Désolé pour l'expression. Mais il faut comprendre que, au 21e siècle, l'inalphabétisme n'est pas seulement celui-là ou celle-là qui ne sait plus ni lire et écrire. Mais ceux-là qui ne sont pas, n'est-ce pas, en concordance, n'est-ce pas, avec le changement de, voilà, du quotidien. D'accord? Alors, je suis honoré de m'être mis devant vous aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui révèle une importance de croissance dans notre monde moderne. Le trading et son impact significatif sur la vie de chaque individu. Le trading n'est plus seulement, n'est plus simplement l'apanage des experts financiers, imaginez pas, mais il s'est transformé à une compétence essentielle pour ceux qui aspirent à prendre en main leur avenir financier. Permettez-moi de mettre en lumière quelques aspects clés de l'importance du trading dans la vie d'une personne. Tout d'abord, le trading offre une opportunité unique de croissance financière. En participant au marché financier, un individu peut investir intelligemment et réaliser des profits en fonction des évolutions des actifs. Comprendre les marchés et prendre des décisions équilibrées peut non seulement augmenter les revenus, mais aussi contribuer à la construction d'une base financière solide pour l'avenir. Deuxièmement, le trading développe des compétences cruciales en matière de prise de décision dans un environnement en constante évolution. Les traders sont constamment confrontés à des situations nécessitant une analyse rapide, une évaluation des risques et une capacité de détection. D'accord? Alors, le trading, c'est une compétence dont la transférable à de nombreux aspects de la vie, favorisant la pensée critique et la résolution, n'est-ce pas, des problèmes. En plus, le trading peut renforcer la discipline financière personnelle en définissant des objectifs financiers clairs et en élaborant une stratégie de trading. Les individus deviennent plus conscients de la gestion de leurs agents, prenant des décisions éclairées sur leurs dépenses et leurs économies. Enfin, le trading, voilà, facilite, n'est-ce pas, la participation à l'économie mondiale. Car grâce aux plateformes de trading en ligne, chacun peut accéder aux marchés financiers mondiaux et investir dans divers actifs. Contribuant aussi à la croissance personnelle et à la diversification de son portefeuille financier. Il est toutefois essentiel de souligner que le trading comporte des risques et exige une éducation continue et une prudence constante. Une compréhension approfondie des marchés, une analyse constante des informations financières et une gestion minutieuse des risques sont cruciales pour la réussite dans ce domaine. Alors, pour conclure, le trading peut jouer un rôle vital dans la vie de chaque individu en offrant des opportunités financières
développement des compétences essentielles et à faciliter la participation à l'économie mondiale. Avec une approche réfléchie et une éducation appropriée, chacun peut tirer un parti de cet outil pour construire un avenir financier plus solide. Alors, je comprends que la vie en Russie, elle est très difficile. Parce que justement, nous avons des emplois dans la vie qui ne sont pas assurés. Parce qu'il est très important d'avoir un emploi assuré. On ne peut pas travailler, n'est-ce pas, dans un monde où, à tout moment, on perd son emploi. Et voilà, et vivre comme, c'est pas comme un chocotier qui a commis, n'est-ce pas, un crime et qui est recherché, n'est-ce pas, par le FBI. Alors, c'est pourquoi je conseille, en fait, les grands frères, petits frères, sœurs et frères, de chercher, n'est-ce pas, la diversification. De se tourner, n'est-ce pas, vers le digital. Parce que laissez-moi vous dire aujourd'hui que, d'après analyste, le risque de l'investissement physique de nos jours est plus risqué que le risque dans l'investissement, n'est-ce pas, dans le digital. Mais il y a quelque chose qui me dérange beaucoup. Nous savons tous que Mélanie a 365 jours, bien évidemment, n'est-ce pas? Une année à 365 jours. Mais je pense pas le fait que dans 365 jours, c'est un parmi nous à se toucher 12 fois l'année. Dans 12 fois, dans 365 jours. Et c'est bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi nous limiter à cela? Et pourtant, voilà le digital, nous sommes plus témoins, n'est-ce pas? Il y a un univers, n'est-ce pas, infini. Alors voilà, je vais terminer, n'est-ce pas, sur ce propos, parce que je vois que vous voulez danser, déjà, moi aussi j'ai envie de danser. Et vous êtes un peu si fatigué. Donc déjà, avant de terminer, j'aimerais remercier une fois de plus, n'est-ce pas, le président assez grave, monsieur Dagis, de m'avoir donné le privilège, voilà, de me placer devant mes grands frères, peut-être même. Et voilà. Un acclamation encore une fois de plus pour vous, c'est Jésus. Merci mon frère. Et merci à tous. Total, pourquoi ne dis pas que le président des États-Unis était seulement francophone en Europe. Et c'est de parler en trois langues. Mais je vous promets qu'on va aller rapidement. Rapidement et sérieusement. Donc, je vous invite, s'il vous plaît. Comme d'habitude, le président est mature. Ou bien, c'est le service mature, vous invite à être un peu attentionné à ce que c'est d'abord vous dire. À 2 minutes ou plus, au moins, donc pour moi, je suis mature, vous le savez. Donc, du coup, s'il vous plaît, notez une oreille attentive à cette dame-là, pour qu'elle puisse vous parler. Je vais donc passer la parole à Yulia qui va parler en russe, ensuite passer à Kanti qui va parler en anglais, et ensuite, bien sûr, il va être une petite légère conclusion en français, mais je vous rassure dans un bref moment. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut reconcentrer, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que vous m'écoutez? Je comprends là que tout va bien. Non, d'accord. Yulia, tu as la parole. Уважаемые гости, дорогие коллеги, я рада приветствовать вас на этом замечательном мероприятии. Хотела бы поздравить всех присутствующих здесь, да, с наступившим уже международным женским днем и пожелать всем счастья и вечной красоты. Меня зовут Юлия, я представляю компанию 7G Services. Наша фирма занимается проведением различных финансовых операций между Россией и Африкой, а также перемещением посылок между ними. Мы гордимся тем, что мы являемся надежными партнерами для наших клиентов, которые нуждаются в оперативных решениях в сфере финансов и логистики. Однако наша деятельность ограничивается не только этим. Мы также помогаем молодым студентам, которые приезжают в нашу страну учиться. Мы помогаем им обустроиться, найти новое жилье и оформить документы. Мы понимаем, что это важный этап в жизни молодых людей и стараемся сделать его максимально комфортным и безопасным. Наша компания состоит из надежных специалистов, которые всегда готовы прийти к вам на помощь и оказать всю необходимую поддержку. Мы ценим наших клиентов и готовы удовлетворить все
всех потребностей и ожиданий. Наша главная цель – это помочь клиентам в достижении их целей. Если вам понадобится какая-то помощь и возникнут какие-либо вопросы, обращайтесь к вам, и мы незамедлительно окажем всю необходимую поддержку. Мы готовы поделиться с вами своим опытом и знаниями. И спасибо вам за внимание. Надеюсь, наше сотрудничество будет долгосрочным, взаимовыгодным. À la personne qui a essayé de parler pour nos frères en une fois. Good evening, dear guests. It's a very great pleasure for me to be standing here in front of very beautiful people inside this very beautiful hall. So I wouldn't be long, but a short presentation of the services of Sedgley. The most important thing that you need to know is that our company is specialized into financial transactions and also into sending and receiving of goods from Russia to Africa and from Africa to Russia. But the most important part of the services of Sedgley is that we are also there to accompany all the foreign students, especially the African students who come into our big Russian country for studying purposes. So tonight we want to use the opportunity of this celebration to renew the vows that we have with you, to let you know that we take care of every foreign student by helping them in all administrative facilities. We help them with everything that concerns their schools, their habitation, but the most important part is that we actually have them to feel like they are home, actually without being at home. So we thank you so much for the trust, for the confidence, and for the trust and accompaniment that you brought to our services for all these years. So we want to use this opportunity to wish all of you guys a happy evening celebration, and you should always keep in mind that Sedgley Company will always be there to keep safe and secure every information dealing with the transaction that you offer to us. Thank you so much for the trust, and once more, I wish you all a happy Women's International Day. Thank you. Is it just that she has to go again? C'est qui est-ce qu'il y a là? Il y a là-bas. En fait, pour conclure, hein, je vais essayer de vous donner un bref de ce qu'il y a à partir de là. En fait, nous représentons l'entreprise Sedgley Services. Nous sommes spécialisés dans le transfert d'argent. Russie, Cameroun. Les banques sont fermées, mais on se passe, on s'en va. On s'excuse, je ne sais pas, sinon parce que je suis président, on va mettre la demande d'expression après. Bref, comme je disais tantôt, c'est que nous gérons les transferts d'argent, l'envoi et la réponse des colis en Afrique. N'oubliez pas, ça commence ici au 15 mars. On avait un certain problème avec des poules, on trouvait des partenariats, et bientôt tout sera ficelé et tout sera limpide. L'accueil des étudiants à l'aéroport, n'oubliez pas. Si vous avez des gens à l'aéroport accueillis, vous êtes pressé, vous êtes à Riazan, monsieur Napoléon, ne voyagez plus pour ça, parce qu'on peut accueillir cela. Les étudiants qui sont à Riazan, à Tambov, à Kadebou, à tout, ne voyagez plus, appelez ces services. On amène votre étudiant chez vous, le dimanche propre. Si vous avez les dollars, les euros, vous pouvez changer, c'est des services gère. Vous voulez retrouver votre passeport, c'est des services gère. Parce que vous êtes le quartier. Et nous, on travaille avec le quartier. On ne connaît pas les bonbons. On travaille avec le quartier. C'est pour ça que notre clause, elle-même le quartier, peut témoigner. Permettez-moi, s'il vous plaît, de présenter mes filles pour finir. Parce que, grâce à Dieu, comment dire grâce à Dieu, je m'en fous, je ne sais pas comment on dit, que je suis moi. Grâce à elle, merci, docteur, tu as tout dit. Donc, disons que c'est grâce à mes filles que devant vous, j'ai la Bible là aujourd'hui, parce que si ce n'était pas elle, qui sait ce que j'aurais porté? Donc on dit derrière un homme, c'est cache. Une grande femme. Mais derrière moi, comptez. Bon, c'est ici qu'on a, Madame Cathy, c'est notre chargée, notre responsable
bilinguisme en anglais, tout ce qui est anglophone, c'est elle. On a madame Eva, c'est ma directrice financière, tout ce qui est l'agent. Kendi! Donc, Kendi, Nigata! Kendi, Nigata! On a Elise, elle vient tout ce qui est conseil ou santé à ses deux services. J'aimerais que Elise, qui est aussi attachée au comité financier, elle s'appelle Christine Lafleur, en passant. J'ai aussi là un âne qui est médecin en médecine que c'est la team financière. J'ai la Morel, qui est aussi médecine, aussi dans la team qui gère l'argent et les finances. Je tiens la brochure devant, c'est Madame Bouquet, c'est ma femme à tout faire. Pas ma femme du mariage parce qu'elle a bien sûr un fiancé, mais quand je dis la femme à tout faire, c'est dire que c'est la personne qui gère tout comme je suis caché. Donc c'est mon numéro 2, c'est la directrice Madame Jim, elle est aussi, elle va dans la tâche concernant les finances, elle est là. Donc on a aussi Müller, c'est le directeur publicitaire. Tout ce qui concerne la publicité, ici, je te casse ça, c'est un réclame. C'est le service. Nada pas de la vie. Yulia, quand tu as un officier patrouille. Un officier, c'est là. Pose à Dieu, c'est à Dieu qui est là. Donc, tout ce qui concerne les habits, les poses, tout ce que vous voyez sur le statut, moi, c'est mis comme ça ou comme ça. Voilà. C'est Yulia qui fait. On a Nan André, bonne conseillère, aux stratégies financières, qui est là, qui soutient. Et même la tête vous dire que Nan André et moi, on se connaît depuis 15 ans. Celui qui doute, vient, je vais l'expliquer. On a ce jeune homme-là qui est du comité de publicité auquel occupe Yulia, qui fait le poster. On a aussi Madame Émilie. Bonne conseillère, jeune dame, célibataire de l'an, qui donne aussi tout ce qu'elle peut pour nous soutenir mutuellement, émotionnellement et tout. Vous pouvez planter la cité du service, cher ami. Bien sûr, n'écrivez pas ma vie plus tard parce que qui est pas la vie plus tard. Donc, disons que nous sommes très heureux de ce événement aujourd'hui. Nous aimerons bien sûr le faire plus tard. Mais n'oublions pas, on soutient seulement où il y a une unité et non le désordre. Donc, chers Camerounais, pour conclure, je vais juste vous dire un mot. Merci beaucoup. Merci pour votre soutien. Merci pour vos multiples messages. Parfois, on entend des députés en répond à des heures tardives. Mais je suis sûr, c'est que même le quartier peut témoigner. Je serai content d'en dire.
vu déjà, tu m'as chauffé, maintenant bébé, faut assurer. Sa maman lui a donné Hey, 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 hey
pas tous les camères, tous les grands camères, tous les gars du 237, tous les gars qui ont pas trop vert. Et vous voyez que vous, pour le prochain son. Pour le président, président. Vous êtes prêts? Pour la fête du Maroc, est-ce que vous êtes prêts à partir? Tout le monde de vous, tout le monde de vous, tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts à partir? On va embarquer. On va consommer nos 5 minutes de la vie avant. Le cas va démarrer, il faut qu'on parte, les gars. On est prêts, on est prêts, on est prêts. DJ, Madame Deloy. Darius, comme président, chez la locomotive. Sur le son là, et bien voir tout le monde debout. Le photographe, mets le volume. Camerounais sur la piste, s'il vous plaît, les Camerounais, tous les Camerounais, tous ceux qui se reconnaissent comme Camerounais, sur la piste de danse, je vous en prie. On tue d'abord ça. Je vous en prie, tous les Camerounais. Tous les Camer, tous les Camer, tous les Camer. La Tiluka va partir, Aroumane, nous sommes Camerounais. Ia, Oe, Ia, nous sommes les Malgaches. Ia, les gars, les gars, les gars, tout le monde ici, tout le monde ici. Venez, 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 venez. Position Duxaga.
ta mère comme je l'aime. Youpi! On y va! Ceux qui sont encore derrière ta mère là-bas. Ça, c'est le Dieu.